La méditation de ce 5 mai est intitulée « Fausse théorie sur Dieu ». Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, 21. La théorie selon laquelle Dieu est une essence immanente à toute la nature est une des tromperies les plus subtiles de Satan. Elle nous donne une fausse conception de Dieu et porte atteinte à sa grandeur et à sa majesté. Les théories panthéistes sont contraires aux enseignements de la parole de Dieu. Ces théories perdent les âmes. Les ténèbres sont leur élément et la sensualité leur sphère. Elles flattent le cœur naturel et donnent libre cours à ses inclinations. Les accepter, c'est se séparer de Dieu. Si Dieu est une essence inhérente à toute la nature, alors il habite dans tous les hommes. Et pour parvenir à la sainteté, ceux-ci n'ont qu'à développer la puissance qui est en eux. La conclusion logique de ces théories, c'est qu'elles réduisent à néant le christianisme. La rédemption n'est plus indispensable et l'homme devient son propre sauveur. D'après elles, la parole de Dieu est inefficace et ceux qui les acceptent s'exposent au danger de considérer toute la Bible comme une fiction. Ils peuvent estimer que la vertu est préférable au vice, mais en récusant la souveraineté de Dieu, ils mettent leur confiance dans leur propre force, laquelle est nulle devant Dieu. La volonté humaine, abandonnée à elle-même, n'a aucun pouvoir réel pour résister au mal et pour le vaincre. Les défenses de l'âme sont renversées, l'homme ne possède plus de barrière contre le péché. Et après avoir rejeté les restrictions de la parole de l'Esprit de Dieu, il ne sait jusqu'où il peut tomber. Ceux qui persistent dans ces théories spirites ruineront leur expérience religieuse. Ils n'auront plus aucune communion avec Dieu et perdront la vie éternelle. Il n'y a qu'une puissance qui peut soustraire le cœur des hommes à l'emprise du mal. La puissance de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est que par le sang du crucifié que nous pouvons être purifiés. Seule sa grâce peut nous rendre capables de résister aux tendances d'une nature déchue et les subjuguer. Et ce pouvoir est annulé par les théories spirites au sujet de Dieu. Alors souvenons-nous, la puissance de Dieu est en Jésus-Christ et ce n'est que par son sang que nous pouvons être purifiés. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.